J'ai déjà mis du rouge à lèvres sur la tasse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour une fois, j'ai gardé un rythme de vidéo assez soutenu. Et je dois vous avouer que je suis assez fière de moi, d'autant plus que je les tourne toujours avec un immense plaisir. J'ai eu tout plein d'idées et du coup, je suis super contente de partager avec vous aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo tea time puisque nous allons prendre le thé ensemble aujourd'hui et discuter de choses et d'autres. Je sais que vous aimez bien les vidéos tea time et c'est vrai que j'en faisais moins ces derniers temps, mais pas mal d'entre vous m'en ont réclamé sur Instagram et du coup je m'exécute. Bon, je vous avoue que j'avais aussi très très envie d'en filmer, mais du coup si en plus ça peut vous faire plaisir, c'est juste génial. On va commencer cette vidéo tea time en se servant du thé, tout simplement. Je vais vous montrer ma tasse du jour que j'ai sortie spécialement pour vous. Alors, je vous avoue que c'est une de mes tasses favorites. Je ne l'utilise pas souvent parce que c'est vraiment une tasse que je réserve pour des moments spéciaux, des goûters que je prends avec des amis, mon chéri, etc. Et donc, je l'ai sortie spécialement pour vous aujourd'hui. Il s'agit de ma tasse fraise de chez Roy Kirkham, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Je ne sais jamais si c'est Roy Kirkham ou Royal Kirkham, mais c'est bien Roy Kirkham. Et à l'intérieur de cette tasse se trouve un thé noir à la vanille que j'aime beaucoup. Donc j'ai mis la théière au chaud dans ce petit cosy. Comme ça, on va pouvoir se resservir tout au long de la vidéo. Et du coup, si vous en voulez, faites-moi passer votre tasse. Donc j'espère que, comme le veut la tradition, pour regarder cette vidéo, vous êtes avec vous aussi votre tasse de thé, puisqu'une vidéo tea time n'est pas une vidéo tea time si on ne prend pas le thé ensemble. J'ai la table juste devant moi, donc c'est juste parfait. J'ai remarqué il y a peu de temps que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants sur ma chaîne et du coup je me suis dit qu'une petite présentation serait de mise dans mes nouvelles vidéos. Du coup pour ceux qui me connaissent déjà, je suis désolée, ça va peut-être être un petit peu répétitif, mais je vais me présenter pour les nouveaux arrivants. Donc je m'appelle Anouchka, mon pseudo c'est Anna Blossom Diary ici et sur Instagram. J'ai 26 ans et j'habite dans le sud de la France. Je partage sur ma chaîne des vidéos liées à mes passions comme les loisirs créatifs, la couture, le cottagecore notamment, le lifestyle, la décoration et toutes les choses que j'aime tout simplement. Je parle aussi un petit peu de mes lectures de temps à autre, surtout à la fin de mes podcasts créatifs où parfois je présente des piles de livres assez conséquentes.
Si vous aimez l'esthétique cottagecore, le vintage, aller chiner et tout ce genre de choses, je pense que vous et moi, on devrait bien s'entendre et du coup, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ça tombe plutôt bien que je vous parle de chiner parce que ça va être une grosse partie de cette vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de mes dernières trouvailles ces derniers temps en vide-grenier, ressourcerie, Emmaüs et tout ce genre d'endroits. Comme vous le savez, j'ai été en vacances pendant 3 semaines. Donc là, c'est la fin de mes vacances, j'ai repris le travail. Et donc, pendant ces 3 semaines, j'ai pu aller chiner à tout plein d'endroits. Vu que j'étais libre pas mal de temps dans la semaine, ça m'a permis d'aller à des endroits qui sont habituellement fermés lorsque je suis de repos d'habitude. Du coup, j'étais vraiment super heureuse et j'avais envie de vous partager mes dernières trouvailles pour peut-être un petit peu aussi vous montrer que en ressourcerie, avec la patience, on peut vraiment trouver des trésors. Je sais que ça décourage beaucoup de personnes d'aller chiner parce qu'elles ne trouvent jamais exactement ce qu'elles cherchent, mais pour la petite astuce, il faut vraiment y aller sans avoir une idée en tête précise parce que sinon on est forcément déçu. Mais je voulais vous montrer qu'avec de la patience, on peut vraiment dénicher des merveilles. Et là, pour le coup, j'ai vraiment déniché des choses que je cherchais depuis très 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 longtemps. Du coup, je me suis dit que ça serait motivant et qu'en plus, ça pourrait vous montrer de belles choses, de les partager avec vous et de vous montrer qu'avec de la patience, on peut trouver tout plein de choses chouettes en ressourcerie. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'avais oublié quelque chose, donc je vais le chercher. Erreur réparée, je crois que ça va devenir une tradition que dans toutes les vidéos j'oublie quelque chose et que j'aille vite le chercher, puisque visiblement vous parler ça me fait retrouver la mémoire. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer les dernières trouvailles que j'ai faites et vous expliquer un petit peu à chaque fois comment je les ai trouvées et si je m'en souviens le prix que j'ai payé. Mais je vous avoue que c'était vraiment un réel plaisir d'aller chiner ces derniers temps parce que comme je vous disais, ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion et que comme par enchantement, je suis tombée sur des choses que je cherchais depuis vraiment longtemps. Du coup, ça fait vraiment vraiment plaisir. Si vous aussi vous aimez chiner des tissus, des objets, des livres, etc., je sais que vous connaissez ce sentiment d'accomplissement et de joie intense quand on trouve enfin quelque chose que l'on avait en tête depuis longtemps, qu'on avait rangé un petit peu en se disant bon ben on verra quand est-ce qu'on va le trouver et qu'on tombe dessus à un moment où on s'y attendait pas du tout. C'est vraiment un sentiment unique et c'est exactement ce que j'ai ressenti pour toutes ces choses là. Du coup, je vais vous présenter tout ça. La première chose, c'est la chose que je suis allée chercher en courant tout à l'heure. Il s'agit de ces petites choses. Alors là comme ça pour l'instant vous ne voyez pas du tout ce que c'est. À l'origine j'en avais acheté seulement un et il y en avait un deuxième, c'était à Emmaüs dans le coin un petit peu bibelot, vaisselle, etc. Et le gentil monsieur qui était là à ce moment là m'a offert le second en disant mais vous pouvez pas les séparer, prenez les deux. En fait à la base j'avais été raisonnable, j'en avais pris seulement un parce que je ne savais pas encore où est-ce que j'allais les mettre et que je me suis dit que bon quand même j'allais pas prendre les deux sans savoir ce que j'allais en faire. Et au final il m'a offert les deux. Donc bon je suis super contente mais du coup il faut que je trouve une place à ces deux petites beautés. Je ne les ai pas encore nettoyées malgré que ça fait un petit moment que je les ai récupérées parce que j'aimerais les repeindre. Donc elles sont vraiment dans leur jus. Mais voici deux petits cadres. Alors c'est en plâtre, je pense pas que vous en rendiez compte à la vidéo. Mais c'est du plâtre en fait. Donc c'est assez fragile, il faut faire assez attention. Avec des petits lapins en vêtements. Du coup, ça fait vraiment penser à l'univers de Beatrix Potter, je trouve. Et ils ont chacun des petites fleurs. Bon, moi, je vous avoue que je pense me débarrasser des petites fleurs en tissu et rajouter seulement des fleurs séchées après avoir repeint le front qui est rose. J'aimerais le repeindre en beige ou en couleur sable pour que ça matche un petit peu à mon intérieur. Mais du coup, voici ces petites beautés. Et pour le souvenir que j'en ai, je crois que j'avais payé du coup un seul, quelque chose comme 1 € ou 50 centimes et au final le monsieur m'a offert le second. La première chose que j'ai trouvée lorsque j'ai commencé à farfouiller dans les livres de couture et à me perdre un petit peu dans ces étagères pleines de trésors a été un livre que j'avais dans mes favoris sur Vinted depuis très 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 longtemps et pour cause parce que j'entends tout le temps Sonia de la chaîne
A Gentle Life. À chaque fois, je cite A Gentle Life, mais je crois qu'elle a changé son pseudo. J'ai toujours une petite hésitation sur ton pseudo, Sonia. Je suis vraiment désolée. Pourtant, je te suis assidûment. Mais bref, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, bien sûr. Et donc, Sonia nous parle assez régulièrement des créations dans les livres Tilda, qu'elle affectionne particulièrement. Et du coup, ça me donnait très envie de moi aussi mettre un petit peu le nez dedans et voir de quoi il s'agissait, puisque je n'avais jamais encore feuilleté un de ces livres là et voici ce que j'ai trouvé au détour d'une étagère chez Emmaüs. Donc il s'agit du livre La maison de Tilda, avec plein d'idées déco pour la maison. Donc c'est des idées couture, bien entendu. Donc il y a quelques sacs, beaucoup de petites choses pour décorer, comme des sets de table, des petits fruits en tissu, des choses vraiment adorables. En plus, regardez, moi, ce petit chat trop mignon. C'est vraiment un univers très coloré, vraiment un petit peu shabby presque. Et j'avoue que j'adore m'inspirer de ce genre d'univers pour mes créations. Donc je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ce livre, parce que comme je vous disais, je le cherchais depuis un petit moment. Et sur Vinted, même si les livres sont moins chers que quand on achète neuf, d'autant plus que je ne sais même pas si les livres Tilda se trouvent encore neufs, c'était quand même assez cher avec les frais de port à chaque fois, pour une quinzaine, une vingtaine d'euros pour le livre. Et là, comme à chaque fois, vu que c'est Emmaüs, le prix est toujours écrit à l'intérieur, je l'ai payé seulement 2 euros. Et il y a toujours le ticket à l'intérieur. Honte à moi. Donc pour 2 euros, j'étais vraiment super contente de le trouver enfin. Et du coup, je vais pouvoir m'en inspirer pour mes futures créations. Je suis vraiment super contente. Ensuite, toujours au coin des revues couture, j'ai trouvé pas mal de revues de patchwork. Donc j'étais super contente. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors là, je l'ai sous la main. Du coup, je vais vous le montrer. L'année dernière, sur Vinted, j'avais trouvé ce magazine-là qui s'appelle l'atelier Simply... non, c'est pas Simply Patchwork. Simply Vintage, c'est autre chose. L'atelier Patchwork est appliqué. Et j'avais craqué sur absolument tous les designs qui étaient à l'intérieur. Et j'étais un petit peu triste parce que je n'en retrouvais jamais. C'était un magazine qui a été arrêté et c'est assez difficile d'en trouver, visiblement. Enfin, en tout cas, je suis jamais tombée dessus. Et j'avais très envie de voir ce qu'ils avaient proposé dans d'autres numéros, mais en vain. Et donc, en farfouillant encore une fois dans cette magnifique étagère de revues, je suis tombée sur un nouveau numéro, un numéro que je n'avais pas, de l'atelier Patchwork qui est appliqué. Et cette fois-ci, c'est un numéro de Noël. Et il y a une petite anecdote sur ce que vous voyez ici que je vais vous raconter juste après. Pour l'instant, je garde ça pour plus tard, mais... comme vous pouvez le voir, il y a un prénom sur la couverture, parce que bon, c'est des livres qui sont d'occasion, donc qui ont servi à des personnes. Je vous raconte ça juste après. Mais donc du coup, voici le numéro de Noël, et je me suis dit que ça serait super de faire des petites créations en patch pour Noël cette année. L'année dernière, j'ai vraiment été prise par le temps à Noël, et du coup j'ai fait que la moitié des choses de ce que je voulais faire. Donc je compte bien me rattraper cette année. Et comme tous les ans, vous le savez peut-être, mais je me prépare un petit panier avec des choses à faire avant chaque saison que j'affectionne particulièrement. Donc j'en fais un pour l'automne et un pour Noël. Bon, je vous dis un panier, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un tote bag, un sac, une corbeille, n'importe quoi, une boîte, pourquoi pas. Où en fait, je réunis des petites activités dans le thème de l'automne ou dans le thème de Noël que je me réserve pour le début de la saison, pour pouvoir me plonger après tout le long de la saison dans les petites choses que j'ai préparées. Donc autant vous dire que celui-ci va aller directement dans mon panier de Noël lorsque ce sera le moment de le préparer. Donc voilà, ça me fait déjà une petite chose en plus pour ce moment-là. Et je trouve que les designs sont juste adorables. Regardez ce petit bonhomme de neige, il est trop mignon. J'adore l'harmonie des couleurs qui a été choisie. C'est vraiment exactement le style des choses que j'aime. Et j'ai craqué pour cette petite trousse que je me ferai bien. Pas forcément en mode Noël, mais je la trouve juste adorable. Donc je la garde dans un coin de ma tête. Et en plus de cette revue-là, donc l'atelier patchwork qui est appliqué, j'ai trouvé d'autres magazines de patchwork. Alors qui ne sont pas de la même marque. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Qui sont d'autres magazines en fait, tout simplement, mais qui traitent aussi du patch. Et donc il s'agit de tout cela. Donc il y en a un qui est un Kilt Country qui est adorable. Donc je vous montre un petit aperçu. Et comme d'habitude, il y a des maisons, donc je suis forcément heureuse. Celui-là était vraiment très très mignon, j'ai beaucoup aimé. En plus, à l'intérieur, on a un petit encart
sur les machines à coudre Sangère. Et voilà, bon, ceux qui savent, savent, mais je travaille de très près avec les machines à coudre Sangère. Et du coup, ça m'a fait sourire de découvrir cette page-là et d'en apprendre un petit peu plus sur une machine à coudre ancienne qui apparemment est un must chez la marque. Donc voilà, ça m'a fait plutôt rire. Et ensuite, on a pas mal de petites idées comme ce torchon qui est juste absolument adorable avec un petit merle dessus. C'est avec des thèmes assez variés, c'est assez printanier, mais à la fois, il y a même des kilts qui pourraient faire automnal, je trouve. J'adore particulièrement celui-là. Les couleurs sont juste tout ce que j'aime. Et donc, c'était vraiment une découverte très très sympa, ce petit magazine-là. C'est un titre que je ne connaissais pas, du coup, je prends note pour les prochaines fois. Et j'en ai également trouvé d'autres, donc je vais vous montrer. J'en ai trouvé un qui s'appelle L'Atelier de Fil, un monde de fantaisie. Je ne connaissais pas du tout non plus. C'est aussi du patch, mais il y a aussi un petit peu de cartonnage. C'est une pratique avec laquelle je ne suis pas du tout familière. Mais j'ai trouvé ça sympa. Je vous avoue que je n'ai pas craqué sur tous les modèles, particulièrement sur les points de croix, puisqu'il y a beaucoup de choses avec la tour Eiffel notamment. C'est pas trop mon style, mais je me suis dit qu'à adapter avec autre chose, ça pouvait être très sympa. Et principalement, la chose qui m'a fait avoir envie de découvrir ce magazine, c'est encore une fois cette petite maison. Donc voilà, celui-ci je ne l'ai pas encore trop feuilleté, c'est pas celui sur lequel je m'appuierai en premier pour un prochain projet, mais je l'ai trouvé très sympa. Et le dernier magazine de patchwork que j'ai trouvé, c'est également un magazine de Noël. Donc cette fois-ci qui s'appelle juste Patchwork, je crois. Patchwork Noël, aussi simple que ça. Avec des patchs, voilà, bon, un petit peu plus kitschouille peut-être, enfin qui font un peu plus années 80, j'ai l'impression. On est moins dans le campagne, country, vintage assumé. Là, on est plus sur vraiment les années, oui, 80, je pense. Mais j'ai quand même trouvé que c'était sympa pour avoir des idées, notamment pour tout ce qui est calendrier de l'Avent en tissu. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais prendre le temps de faire. Est-ce que j'aurai le temps cette année? Mystère. Mais en tout cas, voir toutes ces jolies choses, ça m'inspire et ça me donne plein d'idées pour mes prochaines créations. Et je les ai payées quelque chose comme, je crois que c'était 30 centimes le magazine, quelque chose comme ça. Il n'y a pas le prix dedans. Mais je les ai payées vraiment, vraiment pas cher. Et il me semble que la dame m'a fait un prix pour tous les magazines ensemble. Donc j'étais super contente. La petite anecdote du coup sur ces magazines de patchwork, c'est que vous avez peut-être remarqué qu'il y a un nom et un prénom inscrit ici à chaque fois dessus. Et en fait, j'ai réalisé tout de suite quand je les ai achetés de quoi il s'agissait. Souvent, quand une personne part en maison de retraite, donc en EHPAD, et qu'elle amène ses affaires, on étiquette tout pour se souvenir à qui cela appartient. Et en fait, ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est que tous les magazines que j'ai achetés, sur lesquels j'ai craqué, appartenaient à la même personne. Et du coup, c'était un sentiment un petit peu spécial de me dire, bon bah, malheureusement, je pense que cette dame n'est plus là actuellement. Mais ça a été un certain lien pendant quelques secondes de me dire on devait avoir plein de goûts en commun avec cette petite dame, avec cette petite Dominique. Et du coup, bah, en prenant les magazines, voilà, je me suis dit bon bah comme quoi, voilà, on est beaucoup à avoir les mêmes goûts et peu importe les âges, peu importe la distance qui nous sépare. Et je le vois très très bien d'ailleurs avec tous les gentils commentaires et grâce à vous tous, en fait, qui me suivez, je me rends bien compte que ce qui nous rassemble, c'est vraiment nos passions, l'amour du fil et de toutes ces jolies choses-là. Et que peu importe notre âge, peu importe où on se trouve, ça nous réunit. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu avec ces magazines de patchwork où je me suis dit, bon, bah voilà, cette dame, elle avait peut-être 80, 90 ans et pourtant, bah, on aime les mêmes choses. C'était assez drôle comme sentiment et ça m'a rendu un petit peu émotive de penser à ça à ce moment-là. Et c'est ça que j'adore aussi avec le fait de chiner des objets, de chiner des choses de seconde main. C'est que les objets ont toujours une histoire, parfois pas celle que l'on imagine. Mais en tout cas, l'espace d'un instant, ben, j'ai pensé à cette dame et je me suis dit que ça lui ferait sûrement plaisir que quelqu'un qui ne la connaît pas pense à elle. La dernière chose que j'ai trouvée au niveau de ces revues, sont des revues, cette fois-ci pas de patchwork mais de points de croix. Alors je ne sais pas encore si je les réaliserai tous parce que c'est pas exactement mon style de points de croix. Encore une fois, ça fait assez rétro
pas forcément dans le bon sens du terme, mais en fait j'ai craqué sur les mises en situation des objets et sur un petit peu les designs, même si c'est pas ce que j'ai l'habitude de broder habituellement. J'ai trouvé que c'était très joli, du coup je les ai pris. Il s'agit de revues américaines qui s'appellent donc pour la première Especially at Christmas et la seconde, alors il y a une étiquette collée dessus, c'est Cross My Heart INC. Donc c'est Old Fashioned Christmas, donc encore une fois, excusez-moi pour mon accent qui n'est pas génial. Mais donc il s'agit de revues de points de croix de Noël. Donc celles-ci je les ai payées, alors il y a une étiquette avec un 8 dessus, mais c'est pas du tout le prix que je les ai payées. Je crois que je les ai payées encore moins cher que les revues de Patchwork, pour vous dire, je sais même pas si la dame m'en a pas fait cadeau. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des designs très sympas. Hop, je vous montre l'autre côté. Ça fait un petit peu victorien. Ça m'a fait penser un petit peu à l'univers de Beatrix Potter aussi, mais plus pour l'époque dans laquelle elle évoluait. Et des petites scénettes qui sont représentées. Donc je vous remonte par exemple la double page ici. Donc voilà, je ne sais pas encore si je réaliserai tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'ai notamment beaucoup aimé toutes les représentations de Noël avec aussi ce petit côté lié à Dieu que nous on n'a pas malheureusement dans toutes les choses de Noël que l'on peut trouver en France, et notamment avec ces petits anges ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et donc il y a l'inscription en latin In excelsis Deo, et je trouve ça vraiment super. Du coup voilà, je ne sais pas si je les réaliserai tous, mais en tout cas je les ai trouvés vraiment très très sympas. Et je voulais vous montrer aussi l'intérieur de celui-ci où on a un superbe point de croix avec Marie, Joseph et Jésus. Je trouve juste adorable. Et du coup ça me donne envie de me lancer dans des projets un petit peu plus complexe, on va dire, de point de croix, mais en même temps c'est vrai que c'est pas tout à fait mon style. Bon, cependant c'est toujours une source d'inspiration et je les ai trouvés vraiment sympas, surtout que j'adore toutes les revues américaines de Noël, du coup je les ai prises. Ensuite, le dernier livre que je vais vous montrer, celui-ci je ne l'ai pas trouvé à Emmaüs, je l'ai trouvé dans une ressourcerie tout près de chez moi, vraiment à 100 minutes à pied, où je vais quand même plus régulièrement qu'à Emmaüs. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à trouver ça, surtout qu'il est vraiment dans un état clinique. Je n'avais jamais vu ce genre de livre et je trouve ça vraiment super sympa. Bon, je ne l'utiliserai pas tout de suite, mais en tout cas je le garde précieusement et je suis sûre qu'un jour il fera la joie peut-être de mes enfants, qui sait, et que c'est une activité qu'on pourra faire tous ensemble en famille à la maison. Donc en fait c'est un livre comme ceci qui fait un petit peu époque victorienne. Et en fait, à l'intérieur, ça c'est surprenant, je m'attendais pas du tout à ça en le trouvant, j'ai été attirée par le design, mais je m'attendais pas du tout à ça. En fait, à l'intérieur, vous avez plein de petites maisons, décidément c'est la vidéo tea time des maisons. Donc vous avez plein de maisons à l'intérieur qui sont en fait à découper et à coller pour pouvoir créer un petit village comme ça. Je trouve juste l'idée génial et adorable, c'est dommage qu'on ait pas ça en France. Et vraiment, c'est hyper original en fait comme concept. Et je vous avoue que quand j'ai ouvert le livre, j'ai été super surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et je l'ai payé 1€, comme vous pouvez le voir. Et vraiment, il ne manque aucune page. Rien n'a été découpé nulle part. Toutes les maisons sont intactes. Tout est là. C'est vraiment un livre, à mon avis, qui a été acheté et qui a été oublié quelque part. Et du coup, bon, voilà, j'ai pas pu résister à l'idée de le prendre avec moi. Comme je vous dis, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Mais en tout cas, je pense que un moment ou à un autre, il fera des heureux. Donc je suis super contente de le compter dans ma collection. Et en plus, je trouve que c'est vraiment super joli. D'autant plus que les petits personnages devant les maisons sont juste adorables. J'essaie de vous les montrer de plus près. C'est vraiment tout ce que j'aime. Je sais pas où vous en êtes de votre tasse de thé, mais moi personnellement je vais me resservir. C'est fou, mais avec la chaleur ça ne me dérange plus du tout de boire chaud. On dit que ça désaltère plus de boire chaud d'ailleurs en cas de grosse chaleur. Je sais pas tout à fait si c'est vrai ou pas, mais en tout cas j'avais peur que ça me dérange et que j'arrête de boire du thé de tout l'été à cause de la chaleur, et puis finalement je prends toujours autant de plaisir à en boire, donc je suis plutôt contente.
D'ailleurs, boire une boisson que l'on aime, ça permet de boire plus. Et du coup, moi qui ai parfois un petit peu de mal à penser à m'hydrater, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, si vous souffrez de la chaleur, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Voilà, c'était la petite interlude santé. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais à l'intérieur de ma théière se trouve un thé à la vanille. C'est un thé noir, je l'aime beaucoup. La seule chose avec laquelle j'ai un petit peu de mal, c'est qu'il laisse beaucoup de traces de théine tout autour de la tasse, même quand je le fais infuser juste comme il faut. Donc bon, après je sais que j'ai une vaisselle un peu énergique à faire, mais en tout cas il est vraiment délicieux et il est très doux. Donc c'est vraiment un thé que j'apprécie boire en milieu d'après-midi comme aujourd'hui. Ensuite, toujours dans le pôle couture de Emmaüs, je voulais vous montrer ces petites choses que j'ai trouvées. Il s'agit de dentelles et de rubans un petit peu anciens. J'en ai pris 3. Non, à vrai dire, j'en avais pris 4, mais j'en ai déjà utilisé un. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite, sinon ça va vous spoiler un petit peu le podcast créatif qui arrivera plus tard. Quoique, bon, je pourrais quand même vous montrer, je vais y réfléchir. Mais j'en avais pris 4 et j'ai vraiment pas payé ça très très cher pour la beauté des dentelles. Voici la première. Ça, c'est vraiment des petites dentelles que j'utilise assez fréquemment pour mettre en valeur des points de croix, des broderies, rajouter sur des petits ouvrages, parfois même m'attacher dans les cheveux. Donc j'étais vraiment très contente de les trouver. Et je trouve que la couleur un petit peu vieillie comme ça est juste trop jolie. Du coup, j'espère qu'elle va garder la couleur après que je l'ai lavée. Pour la seconde dentelle, je pense pas qu'elle soit si ancienne que ça, mais j'ai bien aimé. Il s'agit de celle-ci, qui ressemble à de la dentelle élastique mais qui n'en est pas. Elle est beaucoup plus jolie que si elle était élastique, donc je l'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai pris, il s'agit d'un petit ruban. Alors je pense qu'il a été décousu de quelque chose, c'était peut-être sur un drap en bordure ou sur une robe de chambre ou quelque chose comme ça. Et moi je l'ai pris pour me faire des nœuds dans les cheveux avec. Donc il s'agit de ce joli ruban avec des petites fleurs très délicates dessus, vraiment dans les tons roses très très pâles, et je trouve que c'est juste trop joli, et pour mettre au bout de deux nattes, c'est tout ce que j'aime. Donc du coup je l'ai pris en prévision de ceci, mais je ne les ai pas encore utilisés, je ne les ai pas encore lavés pour le moment, je les laisse dans ma pièce couture avec mes autres dentelles, le temps de décider quoi en faire, mais en tout cas j'étais très très contente d'avoir pris le temps de fouiller dans ce tiroir et de trouver ces merveilles là. Je ne sais pas si c'est une habitude pour vous aussi de récupérer des dentelles et d'en faire un usage autre, notamment dans les cheveux, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça permet d'avoir des accessoires qui coûtent 3 fois rien et qui sont faits seulement avec de la récup, et ça j'aime beaucoup. Bon, pour le coup aujourd'hui je porte un nœud qui n'est pas de la récup, qui est un vrai nœud, je ne sais pas si vous pourrez bien le voir, et qui est pile de la couleur de ma robe Little Woman Atelier, donc je suis très contente. À la base c'est une robe que je mets plus en hiver, mais là j'avais envie de la remettre, franchement je suis plutôt contente parce que j'ai pas chaud du tout dedans. Bon, après les températures ont un petit peu baissé ces derniers jours, donc ça fait du bien, on est vivement l'automne vraiment. Là, ces derniers jours, je ne pense qu'à ça, qu'à l'automne, qu'aux plaids, aux citrouilles. J'ai vraiment super hâte. Autant c'est dans ma philosophie de vie de prendre les choses comme elles viennent, lentement, de manière slow life, profiter de chaque instant, etc. Mais je déteste tellement l'été que mon côté slow life disparaît à ce moment-là et j'ai juste vraiment hâte que les températures normales reviennent. Je pense que si j'habitais autre part dans la France, ça serait différent. Bon, de toute façon, je vous le rabâche tous les ans que j'aime pas l'été. Mais voilà, ici, c'est très très difficile de continuer ses activités normales en été parce que la chaleur est telle qu'on peut pas faire grand chose, on se calfeutre dans la maison, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup excusez mon manque de slow life ces derniers temps, mais pour l'instant je n'ai qu'une hâte, c'est que l'automne commence, et je pense que comme tous les ans j'installerai mes décorations d'automne au milieu du mois d'août, même si c'est pas du tout de saison, mais juste parce que ça me fait plaisir et juste parce que ça me permet de finir le mois d'août et finir l'été avec un peu plus de motivation. Ça me soutient de faire ça. Donc voilà, comme tous les ans, je pense que j'installerai mes décorations d'automne un petit peu plus tôt. Mais ça me permet de profiter de ma saison préférée de l'année plus longtemps et de me donner un petit peu un soutien émotionnel pour terminer l'été dans de meilleures conditions mentales. On va dire ça comme ça.
Ensuite, j'ai trouvé une chose à Emmaüs. J'avais trop hâte de vous le montrer. À vrai dire, j'en ai deux. Il y en a déjà un qui est accroché dans le salon. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure avec un plan autre où je vous le montre. J'ai trouvé des petits kilts faits main, donc des petits patchwork qui sont sous forme de tenture murale en fait que l'on vient accrocher. Et j'en cherchais depuis super longtemps parce qu'à part ce que j'ai fait, je n'en ai jamais vu ailleurs de seconde main, à part le grand plaid d'automne que j'avais trouvé sur un vide-grenier en Bretagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré l'année dernière, je le mets souvent sur mon grand fauteuil en automne et c'est vraiment une de mes pièces favorites de tout ce que j'ai chiné. Et là, j'ai trouvé deux petites tentures murales en patchwork qui peut-être, qui sait, appartenaient aussi à notre chère Dominique à qui appartenaient les revues, on ne sait jamais, parce que c'est exactement dans le style des revues. Donc voici la première petite merveille que j'ai trouvée. J'étais super contente parce que vraiment, je n'en vois jamais en ressourcerie. Donc qui est très printanière avec une broderie où il est noté dans mon jardin des petits oiseaux et des petits paniers. Je trouve qu'il est juste adorable. Donc pour le printemps, je pense que je l'afficherai. Et du coup, ça m'a donné envie de faire des toutes petites tentures comme ça. Parce que souvent dans le quilting, on nous propose des pièces immenses. Et parfois, j'ai pas le courage de me lancer dans un tel projet. Mais du coup, ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans des petites pièces comme ça. Parce que c'est juste adorable et ça fait une petite déco en plus au fil des saisons. Donc je pense que vous me verrez en faire des tout petits comme ça parce que je trouve ça juste trop mignon. Donc voilà mon petit kilt chiné pour le printemps. Et j'en ai trouvé un second puisqu'en fait quand je suis passée à la caisse, la dame a vu que je n'avais quasiment que des objets liés au patchwork et je lui ai demandé si du coup elle en avait déjà vu d'autres de ce type là. Elle m'a dit ah oui attendez, j'en ai vu un autre, je vais vous le chercher. Et en fait elle a regardé un endroit où j'avais déjà regardé mais je ne l'avais juste pas vu et elle m'en a trouvé un deuxième qui est juste totalement dans les tons de mon salon et qui me rappelle aussi beaucoup l'automne et du coup je l'ai déjà affiché, je vais vous montrer tout de suite. Le voilà, il est juste là, c'est vraiment exactement dans des tons d'automne je trouve. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai suspendu avec une petite branche, avec une canne de noisetier que mon papa m'avait coupée et que j'avais gardée au cas où. Bon, j'avais bien fait puisque je trouve que ça va parfaitement et en plus la branche a presque exactement la taille du patchwork donc c'est juste parfait. Et vraiment, j'aime absolument tous les tissus que la personne a utilisés. Ça m'a fait rire parce que quand on s'approche de très près, on voit encore les points à la main, etc. Et ça fait toujours quelque chose de se dire que une personne a passé énormément d'heures là-dessus et qu'elle ne se doutait certainement pas que ça finirait dans mon salon. Du coup voilà, je l'ai accrochée juste ici et je la laisserai pour la décoration d'automne parce que je trouve que c'est juste trop joli. Ça c'était vraiment un tel plaisir de les trouver. C'est vraiment les trouvailles qui font chaud au cœur, qui réconfortent et voilà, du coup ça me met encore plus dans l'ambiance de changer ma déco et de passer à la déco d'automne. Mais ça m'a vraiment fait super plaisir de trouver ces deux petits patchworks et de me dire que bah, la personne qui a passé beaucoup d'heures de couture à la main dessus serait certainement très contente de savoir que ça fait le bonheur de quelqu'un et que ça n'a pas fini à la poubelle. Du coup, voilà, je suis vraiment trop contente de les avoir trouvés. La dernière chose dont je vais vous parler en termes de chine, c'est une étagère sur laquelle je travaille depuis maintenant 2 semaines. Je n'en peux plus. Je sais que ça en vaudra la peine, mais pour l'instant, je n'en peux plus. Lorsque je suis allée à Emmaüs et que j'ai cherché un petit peu les magazines, etc., dans le coin couture, il y avait une étagère en exposition sur le haut d'une armoire avec plein de cônes de fil à surjeteuse rangés dedans, qui en fait servait de meuble d'exposition. Et c'est une forme d'étagère que je cherche depuis très longtemps pour la maison, pour pouvoir mettre mes mugs de saison à chaque fois. Et donc, j'ai demandé à la dame si elle la vendait. Et à la base, elle voulait pas. Et puis finalement, comme on avait sympathisé juste avant par rapport au patchwork, etc., elle m'a dit, bon, écoutez, si vous voulez, je vous la vends. Est-ce que 10 euros, ça vous va comme prix? Bon, à la base, je chine au moins cher possible. Donc, habituellement, j'aurais vu que c'était 10 euros, je l'aurais pas prise. Mais là, ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Donc, j'ai dit oui, je l'ai prise. Mais elle était peinte en violet. Oui, en violet. Mais pas en violet...
Non, en violet. Vraiment un violet très 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 flashy. Donc je savais que j'allais avoir de longues heures de décapage devant moi et de ponçage. Mais je ne pensais pas à ce point. Donc là, je suis toujours en train de travailler dessus. Là, elle est sur mon palier dehors. J'essaierai de vous mettre des petites vidéos de l'étagère, comment elle est actuellement. Mais il faut vraiment que je continue le ponçage. Il me reste encore 2 étages de l'étagère à faire, à poncer. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à la vernir de cette couleur-là, en fait, couleur bois foncé, pour que ça soit raccord à tout. Mais j'aimerais vraiment la terminer avant d'installer la décoration automnale. Comme ça, je pourrais mettre ma vaisselle préférée à l'intérieur et y suspendre des petites choses. Donc j'ai vraiment super hâte de la finir. Mais je vous avoue qu'elle me donne vraiment du fil à retordre. Au moins, quand je l'aurai terminée, j'apprécierai vraiment. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais je trouve que le fait, par exemple, d'acheter de seconde main et de devoir travailler sur l'objet que l'on a tant convoité, que c'est pas comme aller dans un magasin, l'acheter, le prendre, le ramener à la maison, c'est fini. Vraiment, le fait de devoir travailler pour le décaper, le poncer, le customiser de nouveau, le retaper, etc. C'est difficile, mais ça rend l'acquisition de cet objet encore plus spécial. Et du coup, on est encore plus heureux à la fin de l'avoir eu et de l'avoir trouvé et d'avoir travaillé de ses mains pour pouvoir l'avoir chez nous. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est très gratifiant et qui me plaît beaucoup dans le fait de chiner des objets et des vêtements. C'est vraiment ce que je préfère, je pense, les retaper pour les mettre à mon goût et pour pouvoir ensuite les mettre en valeur. Donc du coup, je vous en dirai bientôt peut-être plus sur cette étagère. Mais pour l'instant, elle est toujours sur mon porche à attendre désespérément que je ponce les 2 autres étages. J'espère que vous passez en tout cas un bel été malgré la chaleur. Nous, il y a peu de temps, bah d'ailleurs c'est sûrement les petites vidéos que vous verrez en introduction de cette vidéo, nous sommes allés dans notre lieu de prédilection où nous allons tous les ans avec mon fiancé faire un pique-nique et c'est vraiment notre rendez-vous annuel à nous deux. Nous sommes allés à Valensole et c'était vraiment super comme tous les ans. Et du coup, je vous ai mis quelques petits clips en introduction pour pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais Valensole, c'est un village en Provence où il y a énormément de champs de lavande. Il y en a vraiment à perte de vue et il y a également quelques champs de tournesol. Et en fait, tous les ans, il se déroule là-bas la fête de la lavande. Donc nous, on a pour habitude d'y aller juste avant la fête de la lavande pour pouvoir profiter des champs encore tout violets, puisqu'après, le jour de cette fête, tout est coupé. Et du coup, pour produire de l'huile essentielle, de l'hydrolat, etc. Et donc, nous y sommes allés juste avant et c'était vraiment un super moment. D'ailleurs, j'ai encore ramené un bouquet de lavande qui trône sur ma table en ce moment même. Combien de temps va-t-il durer avec Pipin ? Personne ne le sait, mais on verra bien. En tout cas, pour l'instant, je suis bien contente de l'avoir sur ma table. Et justement, en attendant de passer au bouquet d'automne, ça donne un petit peu de couleur. Et je trouve que la couleur légèrement violet, très très claire de la lavande séchée, c'est vraiment très très joli. Donc voilà pour notre petite sortie d'il y a peu. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion un jour de vous rendre dans ce village-là, mais en tout cas, je vous y encourage parce que c'est vraiment super joli. Et même moi qui ai du mal à apprécier ma région et à apprécier la Provence, c'est vraiment un endroit où presque je me sens en vacances, alors qu'au final, on est à même pas 1 heure de chez nous. Donc c'est vraiment très très plaisant. Après, je vous avoue que ce qui est plutôt drôle, lorsque l'on se rend à Valensole tous les ans, moi j'adore faire des photos et des vidéos dans les champs de lavande. Mais ça dure quelques minutes, entre guillemets, on s'arrête pour observer le champ, pour aller s'y balader, on prend 2-3 photos et c'est fini. Mais il y a carrément des personnes qui viennent avec leur trépied faire des photos, bon, qui ne sont pas des photographes professionnels. Et du coup, je trouve ça assez drôle parce qu'on voit toutes les personnes selon l'heure à laquelle on y va. Nous, maintenant, on essaye d'y aller à un moment où il y a très peu de touristes pour pouvoir être tranquille et faire notre petite balade. Mais selon l'heure à laquelle on y va, c'est super drôle parce qu'on voit toutes les personnes avec leur trépied et en train de prendre leur photo. Du coup, c'est pas du tout reposant comme une balade à la campagne. Mais je trouve ça assez drôle tous les ans parce que souvent quand on arrive, on roule jusqu'au village pour aller faire notre pique-nique et c'est le moment où il y a le plus de touristes, donc on voit tout le monde en train de prendre ses photos au bord de la route. On se dit bon, on reviendra plus tard. Mais c'est plutôt rigolo. Il y a une dernière chose que j'avais envie de partager avec vous. Il y a peu de temps sur Instagram, si vous me suivez déjà sur Instagram, parce que je sais que certaines personnes ne me suivent que sur YouTube parce qu'elles n'ont pas de compte Instagram tout simplement, ce qui est totalement compréhensible. Mais du coup, il y a peu de temps, je pense que ça doit faire quelque chose comme
2-3 semaines, je vous avais posé une question en story sur Instagram en vous disant qu'une marque de vêtements m'avait contactée pour me proposer un partenariat. Donc c'était le deal proposé dans le mail était de me donner un code qui me permettait d'acheter pour une certaine somme de vêtements sur leur site, de les recevoir et ensuite j'étais totalement libre de donner mon avis ou quand et comme je le voulais, qu'il soit positif ou négatif. Donc je vous avoue que j'ai eu un gros doute sur le fait d'accepter ou pas, puisque comme vous le savez, je consomme mes vêtements de la façon la plus éthique possible, c'est-à-dire de seconde main ou alors chez des marques éthiques, comme par exemple la robe que je porte aujourd'hui. Donc sur le coup, vu que ça rentre pas du tout dans la lignée de ce que je porte habituellement, je voulais refuser, et puis en discutant avec une amie, je me suis rendu compte que vous êtes souvent assez nombreux à me dire que vous voulez essayer de porter le style cottagecore mais que vous n'osez pas en fait vous lancer, ou alors que passer des heures et des heures et des heures à chiner des vêtements pour trouver quelque chose qui au final peut-être ne vous plaira pas, ben c'était pas le plus simple quand on débute, ce que je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que chiner c'est vraiment l'alternative peu coûteuse quand on veut essayer un style, mais ça prend beaucoup de temps. Donc du coup je comprends que certains d'entre vous n'aient pas le temps ou juste pas l'envie de chercher des pièces pendant des heures pour tester quelque chose qui peut-être sur le long terme ne leur plaira plus. Et donc cette amie m'a dit que ça pouvait être sympa de tester quand même un site de mode qui n'est pas éthique mais qui propose un large choix de vêtements qui peut s'apparenter au style cottagecore, pour donner mon avis en fait tout simplement et peut-être donner l'opportunité aux personnes qui cherchent à débuter dans ce style une idée pour pouvoir se lancer en cherchant sur cette boutique là une ou deux tenues pour pouvoir ensuite choisir si ce style leur convient ou pas. Et donc n'étant toujours pas sûre, ce que j'ai fait c'est que j'ai proposé dans ma story Instagram un sondage pour vous laisser choisir, vous, si je devais accepter ou refuser ce partenariat. Enfin, partenariat, collaboration, je sais jamais comment on dit. Je suis pas très familière à tout ça, je vous avoue que je sélectionne énormément. Je reçois pas mal de mails pour ce genre de demandes, mais je sélectionne beaucoup parce que je ne me vois pas accepter juste pour accepter et recevoir des choses si ça ne m'intéresse pas ou si ça n'est pas qualitatif ou je ne ressens pas en fait le besoin de... Enfin, si c'est pas quelque chose que de moi-même j'aurais acheté, je vois pas vraiment l'intérêt d'accepter. Donc du coup, là je vous ai laissé choisir pour le coup et j'ai eu une écrasante majorité de oui, de personnes qui me disaient oui d'accepter pour pouvoir tester cette marque et vous donner un avis 100% objectif. Vraiment c'est pas un partenariat où on m'envoie un texte à dire et où j'ai pas possibilité de dire vraiment mon avis, ça c'est vraiment quelque chose que je refuse catégoriquement, et si un jour j'accepte un partenariat de quoi que ce soit, vous pouvez être sûr que je l'accepte seulement si on me permet d'être objective et de donner mon propre avis. Si je trouve que c'est nul, je vous dirai que c'est nul. Voilà, au risque et péril des marques, mais moi c'est comme ça que je fonctionne et je ne me vois absolument pas vous mentir sous prétexte que j'ai reçu un produit gratuitement. Donc du coup, je vous ai demandé ce que vous en pensiez. Vous avez été énormément nombreux à me dire oui, accepte, et à m'envoyer des messages en argumentant du coup votre oui. Et du coup, j'ai accepté. J'ai reçu la commande il y a quelques semaines. J'ai porté quasiment tous les vêtements sauf un parce qu'il n'est pas du tout de saison. Donc pour l'instant j'ai pas encore pu le porter, mais je voulais vraiment mettre les vêtements en condition, les laver plusieurs fois pour voir comment ils allaient réagir, etc. avant de vous donner mon avis. Mais donc il se pourrait que très bientôt sur la chaîne soit publiée une vidéo en fait de test de vêtements dits cottagecore qui pourraient convenir au style cottagecore, mais du coup pour les plus petits budgets ou les personnes qui veulent tester, avec mon avis objectif de la qualité des vêtements, de la coupe, etc. Une vidéo qui prend un petit peu de temps à tourner, c'est un petit peu comme ma vidéo sur le style cottagecore que j'avais fait au tout début de ma chaîne et qui est une des vidéos les plus regardées d'ailleurs de toute ma chaîne, et du coup je me suis dit que ça serait sûrement quelque chose de sympa de faire un petit peu le même système de montage, donc de vous parler, de vous montrer les vêtements à chaque fois, puis de les essayer et
que vous puissiez voir sur moi ce que ça donne, de vous parler de la taille, etc. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais du coup c'est une vidéo qui prendra du temps à filmer. Donc j'espère que ce sera la prochaine vidéo en ligne sur la chaîne. J'espère que vous la tournez la semaine prochaine ou très bientôt. En tout cas, j'espère que ce type de contenu pourra éventuellement inspirer et aider les personnes qui veulent se lancer dans ce style, mais qui sont pas sûres et qui veulent trouver une alternative pas trop chère, de pouvoir essayer une ou deux tenues pour savoir si ça leur plaît vraiment. Donc voilà, il y a des choses que j'ai reçues qui sont bien, d'autres qui sont très bien et d'autres qui sont de qualité extrêmement passable. Je vous dirai tout ça du coup dans cette vidéo, je vous en dis pas plus parce que sinon cette vidéo n'aura pas lieu d'être. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas spécialement l'habitude d'accepter ce genre de collaboration, mais que le fait de vous demander votre avis et de vous laisser choisir, en fait ça m'a vraiment déstressée et mise à l'aise parce que mes amis me disaient que ça pouvait être quelque chose de chouette, que de leur point de vue c'était bien parce qu'on n'avait pas tous le budget pour acheter tout de suite des robes éthiques, assez chères, assez coûteuses, et pour au final quand on sait pas si on va les porter sur le long terme. Donc voilà, j'avais plein d'avis, je savais pas quoi faire, et le fait de vous demander à vous votre avis, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Du coup je vous remercie si vous aviez répondu à ce sondage ce jour-là, et je vous partagerai très bientôt du coup cette vidéo. Une dernière petite chose qui n'a rien à voir pour conclure cette vidéo, mais ces derniers temps, comme vous le savez, je suis beaucoup dans le English paper piecing, donc la technique de patchwork qui ressemble à ceci, qui s'appelle aussi le jardin de grand-mère en français, et qui consiste à faire des petits hexagones pour réaliser des ouvrages comme des plaids, des chemins de table, des nappes, à peu près ce que vous voulez, des sacs aussi. Et du coup, je dois dessiner beaucoup d'hexagones. Puisque quand je fais mon quilt as you go, ça va, puisque j'ai le molleton qui est déjà coupé en hexagones, donc bon, c'est assez rapide à faire. Mais quand je fais vraiment le petit English paper piecing avec les petites formes en papier à l'intérieur, il me faut quand même pas mal d'hexagones en papier. Et je n'avais pas à cœur d'en commander des tout faits, même si je sais que ça existe et que ça facilite la vie. Pour moi, le propre des loisirs créatifs, c'est de pouvoir faire beaucoup avec peu de choses et avec beaucoup de récupération. Du coup, je voyais pas l'intérêt d'acheter, encore acheter quelque chose pour pouvoir le faire, alors que concrètement, je peux prendre une règle, un stylo et dessiner mes hexagones sur du papier et les découper. Certes, c'est long, je serais peut-être moins productive, mais le but, c'est pas d'être productif, c'est juste de prendre du plaisir à le faire. Et donc, ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est que je récupère beaucoup de carton pour pouvoir me faire mes gabarits d'hexagones, pour pouvoir ensuite découper, m'en servir de pochoir en fait, enfin de pochoir, de gabarit, pour pouvoir ensuite découper mes petits hexagones en papier et les utiliser dans mon jardin de grand-mère. Et donc ce que j'ai fait, c'est que il y a peu de temps, je suis tombée un petit peu malade et du coup j'ai acheté cette tisane de la marque, c'est une bonne question, je ne me souviens pas, je n'ai pas regardé, tisane bio Romont Nature, voilà. La boîte est vide, toutes les tisanes sont là-dedans, mais d'ailleurs cette tisane a très très bien marché si jamais ça vous intéresse. Mais du coup je trouvais la boîte trop mignonne et j'adore vraiment ce petit motif là. Donc sur le coup je m'étais dit que j'allais juste la garder pour pouvoir découper ce petit motif et celui-là, et en faire autre chose, les intégrer à un petit bricolage ou un petit collage. Et en fait je me suis rendu compte que le carton avait exactement la matière en fait que j'attendais pour faire mes gabarits. Du coup je l'ai gardé pour pouvoir m'en servir de base en fait, pour faire mes petits hexagones qui me serviront de gabarit, parce que le carton est exactement dans la matière que j'aurais voulu pour ça, et comme je vous disais, ça évite d'acheter quelque chose et ça fait de la récupération. Donc je pense que je vais le déplier, récupérer les petites illustrations qui me plaisent, donc regardez comment c'est trop mignon, et avec le reste de la boîte découper mes gabarits. Mais du coup voilà une petite idée si vous aussi vous vous lancez dans le English paper piecing, puisque vous étiez pas mal nombreux à me dire que vous alliez vous y mettre et que le quilt as you go vous avait donné vraiment envie. Du coup si jamais vous aussi vous devez découper des gabarits d'hexagones en tout genre, n'hésitez pas à faire de la récup avec des vieilles boîtes en carton que vous avez alimentaires, parce que ça fait très bien l'affaire. Bon, moi j'ai récupéré cette boîte de tisane parce que c'est l'illustration qui m'a donné envie de la garder, mais pour le coup par exemple si vous consommez des céréales, du muesli ou ce genre de choses, les boîtes sont très grosses et du coup vous pouvez découper plein de gabarits dedans, et du coup ça fait de la récup et ça vous coûtera absolument rien pour commencer à faire du jardin des grand-mères.
Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter pour cette vidéo. J'espère que toutes ces petites choses vont su vous inspirer et que vous aurez passé un bon moment avec moi à prendre le thé. La prochaine fois, je nous prévoirai quelques petits biscuits parce que je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu faim du coup. Les vidéos Tea Time, c'est pour moi vraiment un moment privilégié avec vous parce que ça me permet de bavarder comme si j'étais avec des amis et je trouve ça vraiment vraiment super chouette. Les vidéos podcast, c'est un petit peu le cas aussi, mais c'est vraiment centré loisirs créatifs, alors que dans les vidéos Tea Time, on parle de tout, de rien, ben voilà, de ce que j'ai chiné, des idées que j'ai eues sur le tas, et je trouve ça vraiment trop trop chouette. Je voulais aussi vous dire que ces derniers temps, j'ai découvert pas mal de nouvelles personnes sur YouTube, et bon, je vous en citerai pas mal dans le prochain podcast, mais j'avais envie particulièrement de citer une personne sur cette vidéo Tea Time, tout simplement parce que j'ai une petite anecdote rigolote à raconter, et du coup je me suis dit que j'allais clore la vidéo là-dessus. Il y a peu de temps, j'ai découvert les vidéos de Mystis et Fibrae. Je vous mettrai son lien vers sa chaîne YouTube dans la barre d'informations, comme à chaque fois. Et en fait, j'étais super heureuse de découvrir qu'on avait plein de goûts en commun, qu'elle porte aussi le style cottagecore depuis un petit moment maintenant, qu'elle aime le patchwork. Bon, voilà, on a beaucoup de choses en commun. Elle aime aussi chiner, elle fait du filage de laine et c'est un sujet auquel je commence à m'intéresser, même si j'y connais pour l'instant rien du tout. Mais du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ses vidéos et puis j'adore son franc-parler et je la trouve vraiment très très drôle. Du coup, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de regarder ses vidéos et je les ai découvertes il y a vraiment très peu de temps, quelque chose comme 2 semaines peut-être. Je crois que je l'ai découvert pendant mes vacances. Et du coup, la petite anecdote, je voulais vous parler d'elle dans ma vidéo pour vous dire que ben voilà, c'est ces vidéos que je regarde en ce moment, puisque du coup j'en ai pas mal à rattraper vu que je l'ai découvert assez récemment. Mais la petite anecdote rigolote, c'est que lorsque j'ai découvert sa chaîne, je lui ai envoyé un message sur Instagram pour la saluer, lui dire que j'aimais beaucoup ce qu'elle partageait et qu'on avait plein de points communs et que du coup c'était trop cool. Et en fait, hier j'écoutais sa dernière vidéo, donc qui est, je sais pas si ce sera sa dernière au moment où je posterai la mienne, mais en tout cas c'était un vlog qu'elle tournait juste avant de partir en vacances. Et en fait j'étais en train de plier mon linge tout en l'écoutant et en la regardant. Et en fait elle m'a cité dans sa vidéo en me disant « Oui d'ailleurs, Anna Blossom Diary m'a envoyé un message » et en fait le fait d'entendre mon nom prononcé dans la vidéo, ça m'a fait sursauter. Et j'ai fait tomber tout ce que j'étais en train de faire parce que ça m'a hyper choquée d'entendre qu'elle parlait de moi. Non mais comme quoi, c'est vraiment très bizarre puisque moi je parle souvent des personnes que je regarde, que j'écoute, etc. En podcast ou en vidéo. Et là ça m'a vraiment fait un drôle d'effet d'entendre quelqu'un prononcer mon nom alors que je m'y attendais pas du tout et que j'étais en train de faire mes petites affaires. Et du coup j'ai complètement sursauté et je me suis dit voilà, qu'est-ce qui se passe, qui m'appelle? Et ça m'a super fait rire parce que je me suis dit mais t'es ridicule. Du coup je voulais partager cette anecdote avec vous. Donc voilà pour la petite anecdote un peu drôle, comme quoi il m'en faut peu. Mais voilà, du coup merci beaucoup Pauline si tu passes par là pour tes gentils mots et pour tes vidéos, et c'est toujours un plaisir de te regarder même quand tu me fais sursauter. Voilà, je vais clore là-dessus cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, c'est toujours un plaisir, comme je vous disais, de partager toutes ces petites choses avec vous. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Bisous !